Mets le petit pouce bleu là, le petit pouce bleu. Oh, abonne-toi, la cloche. Salut à tous, bande. Oulala, le micro il est loin. Salut à tous, bande de beaux gosses, Alexandre Gauche de Les Abonnés. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce matin je vais sur TikTok un peu comme tout le monde en France actuellement. Et je tombe sur une musique de Maxence. Je me dis, je connais pas, c'est assez bizarre. Je vous avoue, le décor, etc. Il y avait plusieurs drapeaux, c'était assez marrant. Et tout simplement, je suis allé voir sur sa chaîne. Je pensais que bah, ça venait de sortir, mais ça fait déjà plus d'une semaine. Donc j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, je vais quand même y réagir aujourd'hui. Et vous me direz en commentaire, vous en pensez quoi de la musique. Bah en vrai, on est parti, j'ai rien d'autre à dire. Avant, j'ai encore un truc à dire. Ce putain de compteur là-haut, là, dans chaque vidéo, il augmente toujours de plus en plus. Alors, faites-le péter, d'accord? Allez, abonne-toi et bisous! Genre, on peut voir à quoi ça ressemble, le décor. Je n'ai pas encore regardé la vidéo, j'ai ni liké ni rien fait. Vas-y, on va mettre le petit pouce bleu. Ça me fait un peu de la peine parce qu'avant, Maxence, il faisait quand même beaucoup plus de vues. Il en fait que 177 000 en 5 jours sur une musique. Ça fait chier quand même. Mais bon, c'est l'inactivité. Voilà, il faut qu'il s'y remette et il reprendra les mêmes vues qu'avant. Mais bon, je suis pas bien placé pour le dire. J'ai même plus 100 vues maintenant. Puis on va réagir à ça tout de suite. Hein. Je coupe avant que la musique commence, comme ça, voilà, je peux parler un petit peu du décor, etc. C'est assez marrant. Que le titre, je l'ai pas dit, mais bon, vous l'avez vu dans le titre. Paix dans le monde, avec des fleurs et tous les drapeaux. Ça doit être une musique contre le racisme, je pense. Enfin, c'est ce que je pense. Paix dans le monde. Voilà, la Corée. C'est ça va, c'est envoûtant. Ça déjà, genre, c'est les moments où on va dire, bah les refrains en fait, je vais pas vous apprendre ce que c'est, vous êtes pas con, je crois. Je trouve ça marrant. Ça commence quand? Ça commence quand, sérieux? La Corée, elle est incroyable par contre. On est déjà à la moitié de la musique, il n'y a même pas une parole. Il y a un voleur, même déjà pourquoi il y a une abeille, j'ai même pas remarqué là. Valentin, du rire jaune j'allais dire. Du monde à l'envers, pardon. La télé c'est en rythme avec les paroles, enfin. Mais j'avoue, il y a même pas de paroles. Soit c'est un giga troll, soit c'est juste moi qui arrive pas à comprendre le message. Je pense que c'est un giga troll. Fuck. Ah, la fleur elle a perdu sa elle a perdu sa tête. Bon, je vais pas la remettre parce que j'ai pas besoin d'examiner les paroles. Il y en a pas. Dites-moi en commentaire, vous en avez pensé quoi de cette musique? Je vous avoue que je ne sais pas si c'était très très bien ou extrêmement nul. Parce que d'un côté, vraiment, t'as envie de danser dessus, voilà. Ça arrive à 3-4 heures en soirée, t'as envie de danser dessus, tu vois, c'est marrant. Mais, y a pas de paroles, pas où est la paix dans le monde. Genre, les racistes, après avoir écouté cette musique, bah ils le seront plus, quoi. Bon bah abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter. Salut bande de beaux gosses.